C'est quoi que vous êtes, au juste? Une commune? Une sec? On est un camp de vacances. Élise Guilbeault, que raconte le temps d'un été? Oh, mon Dieu, tellement de belles histoires. Une belle histoire de cœur. C'est l'histoire d'un aumônier de rue qui s'occupe des sans-abri et qui va hériter d'une maison dans le bas du fleuve. Et il décide donc d'amener une douzaine de sans-abri avec lui. Et c'est comment ces hommes-là et ces femmes-là, au contact de la nature et des uns et des autres, vont se révéler à eux-mêmes. C'est un film, c'est super intéressant, c'est super lumineux, en fait, comme film. C'est drôle et très touchant à la fois. Que tu m'amènes une gang d'itinérants en vacances parce que t'es juste pas capable de les mettre à la porte de l'église. Ils ont le droit d'avoir des vacances, eux aussi, comme tout le monde. Que Zélé est en communion très intense avec des personnages absolument uniques qu'on n'a pas souvent vus à l'écran avec autant de vérité. La Gaspésie va être à l'honneur dans sa plus belle lumière et le fleuve sera très présent. J'aurais tellement aimé ça, là. Toutes vous sauver, toute la gang. Espérons que ce film-là, on va porter un autre regard sur eux que juste un regard de peur ou parfois de mépris et qu'on va les aimer.